Qu'est-ce qui m'arrive? Je vois que tout le monde est en direct, mais bon. Oui, oh. Je crois que je suis victime du confinement. Oh. Non, mais non. Quand je vois tous ces gens qui sortent dans la rue avec un masque, ou sans, et pour aller où? Je commence à ne plus avoir de corps. Non, pas aux pieds. Oh! Déjà, je n'avais plus de corps depuis trop longtemps, mais là, je reste assise, je me confine. Même aujourd'hui, j'ai mangé des chips. Rendez-vous compte. Et moi, quand je me mets en direct, j'ai personne. C'est normal. Je suis une pauvre confinée. Et c'est que le début. Non, mais laissez, vous dis-je. Oh, bien, je ne sais pas ce que j'ai dans cet appartement, mais alors vraiment. Non, je ne suis pas Alcestine. Non, non, pas du tout. Ce personnage qui n'existera jamais. Je ne sais pas pourquoi je prends des cours de théâtre. Virtuel, en plus. Confiné. Les cours de théâtre confinés, c'est. Non, c'est pas pour critiquer, mais franchement. Quand ça arrive. Est-ce que je fais là, quoi? Pourquoi je me mêle? Comment ça, est-ce que je fais là, à quoi ça rime? Je répète ce qu'il dit en plus. Quoi, je suis pas confiné? Si, je suis confiné. Quoi, je suis pas seul? Si, je suis seul. Et alors, si j'ai envie de parler à quelqu'un d'imaginaire à cet endroit, c'est quand même pas possible. Non seulement il faut être confiné tout seul quand on est tout seul, mais en plus, on peut pas s'inventer des personnages. Mais moi, je parle à la reine d'Angleterre si je veux. Molière. Slokini. Hein? Non, il en a pas envie. Ben, ouais, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Je peins, je sculpte, je dessine, je parle, je fais ce que je peux. Je dis des fables. Oui, le chat a ouvert très vite la cage et il m'a fait voir en moins d'un instant que. Je sais. Pas la peine d'en rajouter. Je suis au bord du gouffre. Non, je ne ferai pas un pas en avant. Mais c'est terrible. Hein. Mais, la raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Je sais, mais moi, il y a longtemps qu'elle m'a quitté. Donc, de toute façon, ne venez pas me voir, surtout. Vous auriez peur. Vous auriez peur. 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 Quand je commence à manger des chips, c'est mauvais signe. Hier, j'étais malade. Un verre des rosés. Paf, malade. Je bois plus non plus. Je fume plus. Je parle pas du reste. Et je ne travaille pas. Non. Non, mais ça, il y en a qui considèrent qu'il y a longtemps que c'est le cas. Chacun fait ce qu'il peut. Oui, non, ça passe pas non plus. Ça me donne des problèmes de digestion, je crois que je sais pas. Et tout le monde s'en fout, mais absolument tout le monde s'en tape. Mais absolument tout le monde, là. Il arrive un moment où le pli est pris. L'étoffe a pris son pli. Le vase était imbibé. Oui, le vase était imbibé. L'étoffe a pris son pli. Écoutez-vous que je vous dise. Coup de fourche ni des trivières ne me feront changer de manière. Et alors j'ai chanté cet été. Oui, bah c'est pas une raison pour que j'aille danser maintenant non plus. Hein? Quoi, le bœuf? Non, non. Non, 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 je vais pas crever là, non. Oh, puis quoi aussi? Le bœuf. Pas un faible tant qu'on y est, non mais franchement. Un beau corps, hein. C'est un beau corps, c'est autre chose. Tu baises sur un beau corps. Mais ça, ça fait partie du fantasme. Voilà la seule chose qui me reste dans ma vie, je veux dire, entre vous et moi, court cocher de la veine ou pas, ce sont mes fantasmes. 20 ans de psychanalyse, hein.
Il faut assurer et assumer ses fantasmes. Vous êtes un être de désir. Enfin, 20 ans après, il ne reste plus que ça. Donc, ça, c'est quand même dur à entendre. Ah oui, t'as vu ta gueule? Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Puis t'as pas vu le reste. Hein, c'est terrifiant. Ben alors, sur l'île de Ré, je sais pas, moi. Est-ce que je peux... Qu'est-ce qu'il va y avoir comme vacances? Je vais devenir folle. Hein, vous trouvez pas que j'ai de plus en plus une tête de folle, moi, je trouve? Je vais les laisser comme ça, si étant, parce que... Alors, dans les bons jours, je dis si, quand je mets bien mes cheveux, là, on pourrait dire, oh, Catherine Deneuve n'a pas fait sa teinture. Mais non, en réalité, c'est tête de fou, ne blanchit jamais. Ben oui, ben voilà. C'est QFT. Oui, en direct, j'en suis capable aussi. Ça vous fait pas rire? Peut-être qu'ils font rire, d'autres ils font pas rire pour raconter une histoire, mais... Alors, je préviens, parce que ça fait le deuxième monsieur, que s'il me met de nouveau quelqu'un un message en me disant, est-ce que je peux vous poser une question? La question sera automatiquement, c'est déjà fait. Deuxièmement, si c'est, mais évitez-moi, et puis je suis assez mal habitué de Facebook, ma réponse sera, mais alors maintenant, même pas de réponse, quoi. Ça suffit, les personnes qui veulent me parler, me parlent, qui veulent m'inviter, m'invitent, qui veulent me foutre leur main dans la gueule, le temps de le faire, parce que je pense qu'ils auront peut-être des difficultés. Mais on ne me demande pas l'autorisation de pouvoir avoir l'autorisation de m'emmerder, c'est pas la peine. C'est déjà trop tard, ça fait des années que ça dure. C'était mon petit direct du soir, avant un cours de théâtre virtuel, donc je ne sais vraiment. Je sais pas jusqu'où ce confinement va aller. Je suis désespéré. Je voulais le dire à mon maître quand même. L'homme de ma vie. Mais je me tais, je dirai plus rien. Non. J'attends la fin. J'attends la fin. Je ne dirai rien à Nathalie non plus, la femme de ma vie. Non. J'attends la fin à mon psychanalyste non plus. Bon, si, je vais l'avoir au téléphone. Enfin, le second, pas le premier. J'espère qu'ils vont bien. Bon, j'embrasse toute ma famille. Ceux qui veulent me téléphoner, ils peuvent. Hein. Celles qui non, c'est pas la peine. Hein. Il y en a vraiment, il faut qu'elles se cachent ou qu'elles courent vite parce que ça va mal finir, sinon. J'espère qu'elles ont bien compris. Au travail, je sais pas comment. Je suis vraiment très mal disposé de continuer à en prendre plein la gueule. Très très mal disposé. Sous-informé et surinformé. Mais irresponsable, pour l'instant ça me gêne, j'aime pas les irresponsables. Et pour le reste, voilà, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je cherche toujours un appartement. Non, ça va pas finir maintenant en petites annonces, parce que c'est pas drôle. Donc faudra, la prochaine fois, je vous ferai la danse du ventre. Parce que je me suis dit qu'avec les castagnettes, j'allais bien arriver à faire quelque chose quand même. Donc je vais mettre ma robe de flamenca avec mes kilos en trop. Et puis je vais vous danser quelque chose. Mais il faudra que je sois déconfiné, parce que là, je n'arrive même plus à me lever pour ouvrir la porte et sortir. Donc, il va falloir que j'en parle à mon psy demain. Parce que je crois que ça commence à être grave. Adieu.